D'après une étude très sérieuse, si tu likes la vidéo et que tu t'abonnes à la chaîne Lug 4 et que tu actives toutes les notifications, tu gagneras un coffre légendaire. Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui une nouvelle vidéo sur Clash Royale. Donc là j'ai commencé ce tournoi tout à la fin ce matin. Et donc là j'ai lancé aussi une guerre de clan. Donc voilà, ceux qui sont dans le clan, ils ont commencé à faire quelques attaques. D'ailleurs attendez, alors guerre c'est ici. Il y a eu 3 attaques apparemment pour l'instant, je n'ai pas encore fait d'attaque. Mais je pense qu'on va faire le tournoi d'abord, on va faire le tournoi du tirage mondial. Donc pour l'instant j'ai fait 4 victoires et 4 défaites. Alors on va juste ouvrir le petit coffre gratuit. Voilà, on va ouvrir les 2 coffres en bas. Voilà, bon rien de spécial hein. Un peu d'or, une épique, tiens, gobelin. Des petits gobelins. Et donc ça va ouvrir aussi, donc il manque juste une couronne. Donc on va le faire juste après. Donc voilà, c'est parti. Donc là par contre si je perds c'est fini. Donc faut que je fasse, faut que je me concentre. Donc ça c'est chaud ce défi. Enfin ce truc mondial là. Donc là je vais prendre plutôt la sorcière, là je vais prendre le bourreau et les flèches. Ouais, j'hésitais entre la bûche et les flèches, mais c'est vrai que je préfère les flèches, donc j'ai pris les flèches. Alors il m'a donné quelques cartes, fuit à barbare, il m'a donné aussi des gargouilles, donc bon on va essayer de... Après ouais c'est chaud à... C'est chaud pour jouer parce qu'en fait on a, ouais, on a aucune carte, le niveau est vraiment serré. Enfin c'est vraiment chaud quoi de réussir, mais bon, j'essaye de faire quelque chose de... Ok, donc là par contre c'est hyper chaud parce que il a une carte assez intéressante là qu'il a mis. Par contre je vais faire quelques dégâts là, ouais je vais faire pas mal de dégâts à gauche, là je pense que j'ai la tour. Je pense que j'ai la tour, ouais c'est fini. C'est fini, là j'ai la tour. Donc voilà, j'ai en plus la sorcière, ça a marché au top. Donc là j'ai le Jarwell, donc c'est pas mal, je vais voir ce qu'il fait. Donc ouais, sorcière de nuit, plus le géant, vraiment au top. Donc là je pense qu'on part sur une petite victoire. Hop. Ah ouais, mais en fait c'est super lent, dites-moi. Yes, oh yes. J'ai mis le fût un petit peu trop tôt, je me suis dit mince, ça va pas marcher, mais au final parfait, les gobelins ont été tués, donc c'est parfait. Et là j'ai envie de tenter un géant royal, mais bon c'est vrai que si les défenses c'est un petit peu chaud, bon tant pis, on va mettre les gargouilles. On va mettre les petits gargouilles, on prépare les flèches au cas où. Mais je pense que ça... Ouais nickel. Oh quoique, oula. C'est vrai qu'il y a la carte là, la carte... je sais pas comment ils s'appellent ces petites troupes là. D'ailleurs par... Oh mince, dommage. Mais c'est vrai qu'il y a la carte qui a... Enfin ça, ils sont assez puissants quoi. Ils se mettent sur toute la map, donc là 2-0 pour l'instant, mais bon je pense qu'il va avoir la tour de gauche. Il y a des chances qu'il ait la tour de gauche, donc... Bon nickel, je pensais mettre la sorcière, mais en fait pas besoin. Là, on va mettre le géant, on va mettre le petit gobelin. Ouais, bon, il va pas avoir la tour, mais bon. Yes. Ouais, il va avoir la tour. J'ai pas défendu parce que je me suis dit bon ça va tranquille, mais finalement j'aurais peut-être dû défendre. Mais bon ça fait 2-1, vous allez me dire, ça va, j'ai le temps. Donc là c'est bon, 3-0. Donc voilà. Ah non, oui c'est bon, avec le géant royal, je me suis dit mince, en fait avec le géant royal parfait. C'est vrai que là c'est assez chaud ce défi là parce que j'ai quand même fait 4 défaites. Donc la victoire, 3 couronnes, c'est rare, c'est la première fois que je suis 3 couronnes dans ce défi. Donc voilà, c'est enfin le défi, c'est un tournoi du tirage mondial. Donc là, on va récupérer 500 d'or, ok. Donc voilà, 5 victoires pour l'instant. La prochaine victoire, j'aurai 10 000 d'or. Et enfin, j'espère. Et ça peut aller jusqu'à un coffre légendaire au bout de 12 victoires. Ok, bah on va tester. Hein. Donc on va ouvrir par contre, voilà, ça, un beau coffre. Donc là, je suis palier 7. On peut aller jusqu'à combien de paliers, dites-moi un petit peu. Il y a combien de paliers? Il y en a 35, ok. Peut-être ça se renouvelle, je sais pas. Donc là, on va récupérer 1000 d'or de gemmes, une TDE, 24 fripons. Voilà, les recrues royales. Les recrues royales, c'est vraiment super puissant. 38 et donc 12 électrocuteurs. C'est vrai que les recrues royales, c'est vraiment quitté. D'ailleurs, n'hésitez pas à venir dans le clan. Hein. Je vous mets le hashtag là où vous l'avez. N'hésitez pas à venir dans le clan. Recrues royales, ouais, c'est vraiment pas mal du tout. Alors là, qu'est-ce que je choisis? Bon, les golems. Là, on va mettre chevalier. Oh, bah, je sais pas, là c'est vraiment... parce que là, ouais, bon, on va prendre ça plutôt. C'est chaud entre les deux parce qu'en fait, si vous voulez, les petites boules de feu détruisent l'armée de squelettes, donc c'est un petit peu embêtant.
Donc je sais pas trop quoi prendre entre les deux. Mais bon, on va essayer de faire quelque chose, mais là c'est vrai que là ça a l'air chaud. Parce que le golem quand même, ouais, peut-être j'aurais dû prendre le géant, je sais pas. Je sais pas du tout. Donc là on va mettre le golem, on va mettre à droite. Ça fait quand même 8 gemmes. Là c'est vrai que si il met des troupes, voilà. Si il met 2-3 troupes à gauche par exemple, c'est fini quoi. C'est fini, c'est fini. Donc là j'ai envie de tenter ça, mais bon, c'est... ouais, pour bon, nickel. Je dis nickel, mais en fait pas du tout, parce que là le canon est présent, il fait pas mal de dégâts. Il fait pas mal de dégâts. Oh parfait, le canon qui bouge, qui fait aucun dégât. Oh yes. Est-ce qu'on mettrait pas un petit sort de gel là? Non, moi je le laisse comme ça parce qu'il a mis plein de sorts donc. Bon voilà, pour l'instant 0, bah nickel. Franchement nickel. Pour l'instant ça se passe plutôt bien. On va attaquer à gauche, écoutez. En plus il y a encore mon dragon là qui est toujours présent donc nickel. Donc là j'ai un ramé de squelette que j'ai toujours pas positionné le ramé de squelette, donc ça c'est pas mal parce que c'est pas que je l'ai. Donc ça c'est vraiment bien. Par contre le canon là à gauche on va pas attaquer du coup, on va pas sentir un petit peu, on va faire que défendre. Enfin je dis ça mais en fait. C'est un petit peu chaud, donc on va mettre le golem plutôt là. Et voilà, je défends pas là. Je défends pas, ça devrait peut-être. Ouais non, bah tant pis là. Là on va. La tour va tomber, tant pis. Enfin quoi que. Ouais non, c'est bon. La tour va tomber, je pense. Quasiment, donc c'est pas grave. Oh, quoi que, ouais non, quoique ça. Ouais, non, si, avec la reine, avec la sorcière. Non, en fait, non. Il reste 117 points de vie. Et donc là, on va faire 3 euros, je pense. 2 fois 3 euros, c'est rare. Enfin, même pas 3, hein. On va faire 3-1 parce que c'est vrai que là, il remonte un petit peu. Là, il va mettre. Voilà. Ok, bah nickel, hein, écoutez. Petit sort de gel, peut-être. Voilà. Là c'est un peu lent. J'ai mis une sorte de gel, les troupes bougeaient pas beaucoup parce qu'en fait j'ai des troupes, le golem par exemple, les dragons sont des troupes qui sont assez lentes quand même. Enfin, le dragon un peu moins mais bon. Donc voilà, trop grand en plus, ça c'est parfait. Du coup on va refaire notre attaque. Hein. Donc là je récupère ça, je récupère 10 000 d'or aussi. J'espère, je sais pas, ouais débloqué. J'ai eu 10 000 d'or ou pas? Je sais pas, non je crois pas. Tiens, comment ça se fait que j'ai pas les... Ça c'est avec le coffre, non? Je sais pas. Bon on verra. Bon, je pense que c'est le coffre. Bon, ben on continue. Hein. Écoutez, on va ouvrir le coffre comme ça à la fin, peut-être, si on perd. Enfin, j'espère pas. Là, je sais pas du tout, franchement. Je prends... Ouais, je sais pas. Bon, on va prendre ça plutôt. Parce que le mortier, j'aime pas trop, mais l'autre... Enfin, l'Arkix non plus, donc... Bon. Là, c'est chaud, là. J'ai vraiment pas de très bonne carte. Allez, on prend ça. Ok, bon, là on a déjà les recrues royales. Je sais pas ce qu'il a eu. Je sais pas ce qu'il a eu en face. Mais en tout cas, il m'a donné les recrues royales. Donc, écoutez. Petit Arc-X. J'espère qu'il n'a pas le boule de feu ou quelque chose comme ça. Là, je pense qu'il va pas attaquer. Il va... Vu que j'ai l'Arc-X, il va pas attaquer. On va mettre la petite princesse ici. Enfin, la princesse, la sorcière, pardon. Ok, donc là c'est chaud un peu. Attaque, yes. Oh non, oh j'ai eu peur, j'ai cru que les petites boules de feu elle a attaqué mes gargouilles, mais en fait non. Pour le mortier qui tombe, avec mon Arc-X, nickel. Écoutez, nickel. Voilà, nickel. Psst. J'ai pas trop quoi faire parce qu'en fait là il attaque pas trop, il a mis un petit troupe là. Comment ça s'appelle déjà? Le mineur, il a mis le mineur, mais bon voilà, le mineur, pas non plus... Ça fait un peu de dégâts, mais bon, sans plus. Bon, je sais pas ce que... Ouais, les recrues royales, limite. Je mets à la limite, je mets les recrues royales, je faut voir. Faut voir. Ok. Voilà, ça lâche une bombe. C'est un petit peu embêtant, en fait. Ouais, ça lâche une bombe. Ah non, ça lâche pas de bombe, ok. Ça lâche des petits squelettes, bon. Ça va. Ah, j'ai envie de tenter l'arc royal à droite. Mais bon, c'est vrai que... Mince. Allez, petite pierre tombale. Bon, la game est assez serrée là quand même. La game est assez serrée, il joue pas trop, il attaque pas trop.
Bon, j'essaie d'attaquer un petit peu à droite. J'ai fait plus de dégâts à gauche. Donc, écoutez. Pour l'instant, on va essayer peut-être à gauche, je sais pas. On va voir ce qu'on va faire. Mais pour l'instant, c'est plutôt à gauche que ça va se dérouler. Quoique non, à droite, j'ai fait plus de dégâts, ouais. J'ai pas vu. Je viens de voir à l'instant. L'Arcanix qu'on positionne. Elle est serrée, cette game. Elle est vraiment serrée, cette game. Écoutez, on va tenter le recrue royal. On va tenter le recrue royal. Ok, non, on fait aucun dégât. Ah, c'est un petit peu de dégâts à gauche. Tiens, j'ai pas vu. Je me suis dit quand même, bon. Un petit peu de dégâts à gauche. C'est vrai que là, c'est chaud quand même. Hein. Un peu chaud. Je parle pas trop parce que je me concentre. En fait, je fais que mettre le sort de tremblement de terre, mais. Enfin, je fais un petit peu de dégâts, mais bon, c'est pas non plus extraordinaire. Écoutez, hop. Mince, à gauche, j'ai pas défendu. Ça va être chaud là, quand même à gauche. Ça va être chaud. Ça va être très très chaud là à gauche. Oula. Là il met le mineur, c'est fini là. Il met un mineur, c'est fini. Aïe aïe aïe. Ah bien joué. Bon, bien joué, il a gagné. C'était quand même serré, c'était quand même serré cette game là. Très très serré. Bon, j'ai fait des dégâts dans les deux côtés, mais bon, ça n'a pas suffi. Donc là, on va se retrouver avec un petit coffre. Donc récompense. Ok, ce sera disponible dans 24 heures. Bon, bah écoutez, j'ouvrirai le coffre dans 24 heures à la limite. Mais j'espère qu'on pourra retenter le tournoi comme ça. Bah, je retenterai. J'espère que ça coûte pas très cher. Ça en gêne pas plus quoi. Ouais, donc en gros, bah, je l'ouvrirai dans la prochaine vidéo. Hein. Dans 24 heures, ça sera disponible. Donc, je l'ouvrirai dans la prochaine vidéo. Donc voilà, ouais, c'est vrai que c'était assez serré. Bon, dommage que j'ai pas gagné. J'aurais pu gagner encore un peu plus de... J'aurais pu gagner un coffre épique et 25 cartes. Enfin, etc, etc, quoi. Mais bon, c'est un peu dommage. Mais bon, ça reste quand même pas mal. C'était une bonne game. Donc voilà, en tout cas, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu en bas de la vidéo, à commenter la vidéo, à partager cette vidéo. On se retrouve donc pour une prochaine vidéo très bientôt. Allez, ciao.